Amis sur le chemin de l'éveil, bonsoir. Bonsoir à chacun de vous. Sous la pleine lune, nous sommes le samedi 28 octobre 2023. Nous allons pratiquer ensemble une méditation pour la paix dans le monde. Évidemment, il n'y a rien à rajouter. Le monde en a énormément besoin. Donc, cette méditation sera constituée d'une ancienne méditation qui s'intitule « Paix, amour, lumière », mais avec une variante rajoutée pour agir sur l'aura de la Terre. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Et nous allons nous mettre en posture de méditation. Vous êtes dans une position assise confortable, les paupières closes, les mains sur les cuisses, les paumes des mains tournées vers le haut en réceptivité si possible. Et nous allons déjà travailler la paix intérieure, car prétendre rayonner la paix autour de soi sans travailler la paix intérieure en premier, ce serait mission impossible. Donc, je vais vous demander maintenant de visualiser une petite sphère bleue, de couleur bleue, du genre bleu indigo, au milieu de votre abdomen, derrière votre nombril. Et cette petite sphère bleu indigo symbolise la paix intérieure. Vous vous concentrez doucement, calmement, sur cette petite sphère bleue située au milieu de votre abdomen, en arrière de votre nombril. Voyez cela, sentez cela. Une sphère de couleur bleu indigo, le diamètre à peu près, une petite orange. Tout en continuant de visualiser cette sphère bleu indigo en arrière de votre nombril, vous répétez intérieurement « Je suis entouré par la paix. Je suis dans la paix. Je suis la paix. Je suis entouré par la paix. Je suis dans la paix.
Je suis la paix. Je suis entouré par la paix. Je suis dans la paix. Je suis la paix. Puis maintenant, vous visualisez en face de vous notre planète, la Terre, un peu comme une map monde flottant librement en face de vous. Et avec vos paumes de main, vous rayonnez un rayonnement, une vibration bleu indigo sur toute l'aura de la Terre, sur toutes les vibrations qui entourent la Terre. À chaque expiration, vous envoyez ce rayonnement bleu indigo à partir de vos paumes de main sur toute l'aura de la Terre. Vous replacez vos mains sur vos cuisses. Et maintenant, je vais vous proposer de visualiser une sphère de couleur rose au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Cette sphère de couleur rose symbolisant l'amour. Voyez cela, sentez cela.
bulle rose au centre de votre poitrine. Soyez attentif. Maintenant, vous vous répétez intérieurement, je suis entouré par l'amour, je suis dans l'amour, je suis l'amour, je suis entouré par l'amour, je suis dans l'amour. Je suis l'amour. Je suis entouré par l'amour. Je suis dans l'amour. Je suis l'amour. Et maintenant, vous visualisez de nouveau notre planète, la Terre, comme une map monde, flottant dans l'espace en face de vous. Et à partir de vos paumes de main, vous projetez un rayon rose sur toute l'aura de la Terre, symbolisant la vibration d'amour qui se répand tout autour de la Terre. À chaque expiration, à partir de vos paumes de main, vous rayonnez la vibration rose sur toute l'aura de la Terre. Puis vous reposez vos mains sur vos cuisses. Et maintenant, je vous propose de visualiser une sphère jaune, dorée, située au centre de votre crâne. Une belle sphère dorée, située au centre de votre crâne, qui symbolise la lumière spirituelle. Voyez cela. Sentez cela.
Soyez présent, attentif à cette sphère dorée au centre de votre crâne. Et tout en continuant de visualiser cette sphère dorée au centre de votre crâne, vous vous répétez intérieurement « Je suis entouré par la lumière. Je suis dans la lumière. Je suis la lumière. Je suis entouré par la lumière. Je suis dans la lumière. Je suis la lumière. Je suis entouré par la lumière. Je suis dans la lumière. Je suis la lumière. Puis maintenant, tout en visualisant notre planète, la Terre, flottant librement dans l'espace comme une map-monde en face de nous, on dirige nos paumes de main vers notre planète. Et avec nos paumes de main, à chaque expiration, on expire la vibration blanc-dorée sur toute l'aura de la Terre, répandant ainsi la lumière spirituelle sur toute la Terre. Puis vous replacez vos mains sur vos cuisses. Vous reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous reprenez bien conscience de la posture de votre corps. Vous êtes de nouveau présent
dans l'endroit où vous vous trouvez physiquement et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Merci les amis d'avoir participé à cette œuvre de constitution de forme pensée pour purifier, pour favoriser la paix sur la terre et purifier l'aura de la terre qui en a tellement besoin. On a un message de Marc Feist. Restons soudés sur l'amour du prochain et s'aimer soi-même, même pour vos méditations. Merci pour vos méditations. Eh bien, merci et bonsoir, merci, Marc. Merci Marc, bonsoir à toi. C'est plus que jamais important de prier, de méditer régulièrement pour la paix sur la terre. C'est urgent. Et comme tu le dis, ça commence par soi déjà, un travail sur soi. S'aimer d'abord soi-même pour ensuite répandre sur la terre. Puisque nous sommes un miroir, hein, l'autre c'est une projection de nous-mêmes. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très très important de s'observer, travailler sur soi, développer des qualités de cœur, de compassion, d'empathie, voilà. Entièrement d'accord, voilà. Bien. Eh bien, n'hésitez pas à répandre cette méditation, à diffuser cette vidéo. Ça a un caractère quand même d'urgence actuellement. Restons optimistes. Ah oui. Comme on dit, l'espoir, la foi, ça aide beaucoup. Bien sûr. Ne nous laissons pas aller au pessimisme ambiant. Au contraire, soyons connectés à la source divine et avançons. Merci Marc, à toi aussi. Merci à chacun de vous qui êtes présent ou qui verra la méditation en replay ces jours prochains. Et puis, ensemble, on est fort, on est plus fort aussi. On vous donne rendez-vous à mardi prochain, donc ça sera le 31 octobre, à 20h30. À 20h30, bonne soirée. Bonne soirée, et pour ceux qui sont en Europe, n'oubliez pas de changer vos pendules cette nuit. On passe à l'horaire d'hiver. Moins une heure. Voilà. On va pouvoir récupérer une heure de plus. Voilà. Au revoir et à très bientôt. À bientôt.